you and me together, making trouble, making friends. Let's get lost, lost in Amsterdam. We'll be strolling round the candles and dance, lost in Amsterdam. Du coup, on est à Amsterdam là. On s'est baladé et tout. On est arrivé vers 17h quelque chose. C'est une bonne heure, voire une heure et demie qu'on marche. Il n'y a personne. Je sais pas ce qui se passe ici, c'est vide. Et là, du coup, on va rentrer à pied. Il y a 2h10 de marche. Donc voilà, vous allez voir Snap quand je vais arriver parce que je vais plutôt plus avoir de batterie. Donc voilà, vous aurez toutes mes aventures qui arriveront d'un coup. Là, du coup, on est en train de marcher. Et c'est un délire parce qu'en fait on est sur des, comme à Toulouse, des cailloux. Du coup elles en pètent. Oh, oh les gars, il vous faut des valises tout terrain ici. Il vous faut des VTT du coup. Voilà, petite excursion. On est toujours à Amsterdam. On marche, on s'arrête toutes les 5 minutes. Du coup on va arriver demain matin. Le pire dans l'histoire, c'est que ce que je suis en train de manger, ça arrache la gueule. J'ai la gueule en faux, c'est incroyable. Regarde. Non, c'est un truc asiatique qui arrache sa mère. Après s'être bien rempli la panse, on est reparti pour 1h56 de marche. On a marché 10 minutes juste. C'est incroyable. Incroyable. Faut arrêter quoi? Faut arrêter de s'en compter. C'est incroyable. On a un sac, un valise, valise, sac. On a des bières et tout. Allez, c'est parti. De toute façon, on a des bières et tout, on va survivre. Bon, l'équipe, il nous reste 1h45 de marche. Oh, j'ai l'impression qu'on fait du gainage, le temps il passe pas, c'est incroyable. Là j'ai tout ça à porter, j'ai 15 kilos que je tire. En soi c'est rien 15 kilos, mais ça fait déjà 2 heures après que je me les traîne. C'est long. Hugo, c'est comment toi? C'est bon toi? C'est bon. Sachant que moi j'ai plus de batterie, du coup les snaps vous allez être harcelés d'un coup. Et Hugo il reste 50%, si Hugo n'a plus de batterie on rentre pas. Voilà, moi j'ai 10%, je suis en mode avion, je fais des snaps comme ça. Allez, let's go, je vous tiens au courant. Alors, par contre, il est 20h10, je vais pas vous mentir, ici on dirait qu'il est minuit. Voilà, Amsterdam, vous pouvez voir ce beau muséum. Voilà, en fait, il faut savoir qu'ici à partir de 17h, tout ferme. En gros, il n'y a plus de commerce. Tous les commerces qui sont inutiles, on va dire, ils sont fermés. Il y a des coffee shops, des supermarchés un peu vite fait par là, mais c'est tout. Après, tout est fermé normalement. Et interdiction de consommer à l'intérieur, interdiction de boire, donc il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte. En gros, à 17h ici, c'est la fin de journée. Donc en fait, tous les gens à 18h sont en train de manger des burgers ou autre à l'extérieur. Et voilà. Donc en fait, depuis 20h où on marche, il n'y a plus personne dans les rues. C'est un peu mort, c'est dommage. Mais du coup, on se balade bien là. Il reste encore 1h30, 7 km. On y est. On est le premier jour. 3h qu'on a marché toute la journée. Et en fait, on a déjà visité tous les coins qu'on voulait visiter d'Amsterdam, sans le vouloir. Là, par exemple, c'était le dernier. Là-bas, c'est un parc avec des plantes exotiques. Et en fait, c'est... comment ça s'appelle? En fait, il y a plein de sortes de plantes à l'intérieur qui ont pu pousser parce qu'il y a différents environnements dans la serre. Voilà, j'ai qu'à retrouver le mot. Et voilà. Et en fait, c'était l'un des trucs qu'on n'avait pas vu. Et là, on a tout vu. On a vu les 3 églises. On vient de faire tout Amsterdam. On est en train de continuer à marcher. Il nous reste 1 heure. On a sorti les bières, c'est bon. Hugo vient de faire pipi. 20h46, 8e topo de la soirée. En vrai, là je peux découvrir un peu. On a marché, genre en fait l'allée elle est comme ça. Genre c'est que du tout droit. En fait, depuis tout à l'heure on va tout droit, mais les maisons elles sont vraiment magnifiques. Là en gros, regardez. Par exemple, ça c'est des gros apparts, c'est super beau. Et ça c'est les maisons en fait. Elles sont toutes dans ce style un peu. Et il y en a, elles font vraiment comme dans les séries américaines, genre les 2 portes collées. Et vous savez, avec le chapeau pointu et tout, c'est vraiment, franchement. Amsterdam, le centre-ville, ouais, mais les alentours, c'est magnifique. Franchement, on est content d'avoir marché. Franchement, on fait que marcher, on trouve des trucs magnifiques. Il y a un tas de trucs à faire, c'est trop stylé. Bon, voilà, c'est ça les maisons que je vous disais. Attendez, hop, je bloque. Alors là, il y a un vélo pour le... Il y en a 46 000 dans cette ville, mais voilà. Les 2 trucs accrochés comme ça, en fait, vous avez un côté là, enfin, qui s'arrête là, et un côté ici. Et je sais pas, c'est génial. Bon, on marche, et qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête sur un putain de terrain de foot parce qu'on est trop heureux. En vrai, faut savoir un truc. En fait, ce terrain de foot, là, Hugo me dit, regarde, il y a un terrain de foot. Et je regarde. Et en fait, ce terrain, j'ai eu l'impression de l'avoir vu dans un rêve. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Mais pour moi, je l'ai vu dans un rêve. Exactement pareil. Je lui ai dit, l'entrée, je suis sûr, elle est là-bas. On est passé par où? Mais il y avait l'entrée là et tout. Incroyable, incroyable le récit.
Non, franchement, ça tue. Oh, on kiffe de fou. Du coup, on est sur un terrain de foot au lieu de marcher. Du coup, on réfléchit à trouver un ballon de foot pour taper des petites lucarnes l'un de deux. Topo numéro 18 000. Là, en fait, on vient de croiser la route qui mène chez Harry Potter. On dirait pas trop la route, s'il vous plaît. Non, mais attendez, regardez bien. Harry Potter. Du coup, on a trouvé un McDo sur le chemin, les gars. Et en fait, c'est fermé ici. Du coup, ben, je marche pour aller au drive. Et on se fait doubler par une wagon. Eh, mais nous aussi on drive là. Oh. Du coup, ben, on drive en valise là. Voilà. Voilà, deux packs de McDo en drive. Double carton pondeur, just sandwich, please. Yeah, and it's enough. Just a double carton pondeur, please. Yeah, it's 5.75€, and you can drive to the pit window, please. L'un des derniers snaps parce que j'ai plus de batterie. Mais dans un parc, on vient d'aller au McDo, on a fait le drive à McDo. Dans un parc, on a pris un chemin boueux à travers des maisons de gitans. On a failli tomber et mourir à peu près 8 fois. C'était incroyable, à un moment on prend un chemin, on se retrouve seul face à l'eau. Du coup, là, dans un parc, pas éclairé, on peut se faire violer par un orang-outan demain matin, là, c'est impeccable. Impeccable. Du coup, là, Hugo, il lui reste plus beaucoup de pourcent, on va essayer de rentrer. Si on n'a pas d'Airbnb, ben du coup c'est la nuit dehors ou alors on va essayer de gratter de la batterie. Oui, je vais te rejoindre pour plus d'infos. Bon, finalement on a mis 4 heures. Dernier petit snap voyage pour l'instant. Voilà. On est arrivé. Après s'être perdu, avoir marché, avoir inquiété tout le monde. On est arrivé les gars. Bien arrivé les gars. Voilà, nos les chaussures et l'état. On est parti à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Bon voilà, petit Airbnb. Carré. Là on n'a pas accès. Puis là, petite salle de bain, il fait genre 10 milliards de degrés. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ben, j'ai déjà cassé un truc. Je suis arrivé, je pensais que ça se tirait. Et où c'est qu'il est le truc? Tu l'as où? Qu'est-ce que tu fais? J'ai tapé mes chaussures. Qu'est-ce que... En fait, il y a un truc qu'on tourne pour fermer les rideaux là, ici. Je croyais que ça se tirait, j'ai tiré, je l'ai cassé. Du coup, j'en ai un truc. Voilà, il est là. Bon. Première et dernière chute. Petite baignoire. On est là, l'équipe. Demain, vous allez avoir le continu de mes aventures. Papa. Voyage de 1 jour. 24 heures top chrono. Papa. Oh, les gars, ça y est, il fallait aller dormir. Et il y a quoi? Hugo, il est en plein dans le jour là-bas, s'il vous plaît. Je vous envoie une vidéo, ça me place, je voulais drague. Je peux pas vous montrer mon visage. Mais en gros, j'ai cassé un truc tout à l'heure. Du coup, la lumière dans la tête. Du coup, là-bas, voilà, j'ai cassé un truc, je peux pas, on peut plus faire blague. Bon, l'équipe, nouvelle vidéo, 9h15. On a trouvé un train et un avion, le même truc qu'à l'aller, donc le même trajet. Et c'est celui qu'on doit prendre au retour. On va essayer de trouver un remboursement ou de nous faire échanger les billets. Voilà, on va jusqu'à 16h à boire du café. Parce qu'en fait, on n'a rien à manger, tout est fermé. Il est dimanche, confinement, on peut rien manger. Et franchement, je disais qu'on a mangé McDo, Quick hier et tout, j'en pète. Et voilà. Ah oui, on a réussi à fermer le rideau, mais regardez. C'est vraiment très utile le rideau. Vraiment ultra utile. L'équipe est sur le retour. On est dans le Uber. Direction le train, on va essayer de voir, on va essayer de négocier le train, si on peut pas négocier ou pas. On prend un train direct, 10 heures de train jusqu'à Toulouse. Let's go. Voilà, on visite du coup la gare d'Amsterdam. C'est comment, c'est stylé ou quoi? Grave. Ça tue sa mère, c'est bien décoré franchement. Voilà, Amsterdam, la gare du jour. Faut qu'on aille au coin information qui est tout au fond, c'est génial. Et on va négocier les gars, on va négocier en anglais. J'ai une coupe. Les fous,
c'est génial. Je me sens pas du tout con. On adore. Bon, ça y est, après avoir bien négocié en anglais et tout, alors on a 5 minutes à aller, on va prendre un intercité, on va à l'aéroport, on va négocier encore une fois le prix. Et une fois que c'est négocié, après on prend un avion, puis on retourne sur Toulouse vers 23h. Grosse journée de négociation. Bon, les gars, après ça, je vais aller à Wall Street et je vais négocier, je vais être courtier, c'est bon. Ici Laurent Journalisme. Nous en sommes du coup au fait que nous ayons pris les billets, 290 euros par tête. Airbnb rembourse que 100 euros pour l'instant. Normalement, on va négocier avec la meuf et tout, ça devrait le faire. Putain, c'est des escaliers pour descendre. Chier. Et voilà, on a fait le check-in et tout. On rentre à 23h. On va juste attendre à l'aéroport 6h. C'est horrible. Horrible. Donc voilà, là, on va grailler pour à peu près 45 euros par tête encore. C'est génial. On adore. On adore. I love that. Topo 46 000. Nous sommes au Burger King. Voilà. Alors, à Amsterdam, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons marché. Nous avons acheté un space cake. Et nous avons mangé quick, McDo, Burger King. On a fait les trois, on n'a pas mangé un seul plat d'Amsterdam. On a rien du tout, on n'a rien vu. C'est génial. On se balade. On a la valise. Pour ne pas payer la valise, en fait, c'était 55 euros. Du coup, on va la mettre en soute, on va la vider un peu pour qu'elle soit pas trop lourde. Puis on va la mettre avec nous. Et voilà. On n'a pas lâché la valise depuis le début du voyage, c'est génial. Let's go. Après une petite pause, une petite sieste. On a la bière, hein. Deux bons clodo sur une chaise. Voilà. Vidéo du périple. On est dans l'avion. C'est comment Hugo? On est dans l'avion, on attend là. Direction Munich. Ça fait 20 heures, on est dans des aéroports. On adore. L'équipe, on est dans une compagnie, ils ont déjà éteint la lumière derrière nous. On n'a même pas décollé les gars, regardez. On n'a même pas décollé. Je crois qu'on est sur le périph' parce que ça fait 10 minutes qu'il roule le vélo frérot. Je sais pas où il est. On rentre en roulant en avion. On est encore en train de rouler. On fait un tour du complexe là. Du coup je fais visiter. Voilà. Le tour du complexe. C'est sympa, il y a même un petit lac et tout. Il a bombé un peu, mais là il a freiné déjà. Les gars, ça fait 8 minutes qu'on roule. En fait, on fait une visite guidée de l'aéroport. Les gars, là, 10 minutes qu'on roule. La vie de ma mère, 10 minutes. Il a commencé à bombarder la caisse, il a freiné. On a failli s'afflasher les gars sur le périph. On est maintenant à un quart d'heure de roulage. Non mais les gars, je vous mens pas. On est parti à 18h51. Il est 19h05. On va passer à 6. Incroyable. Ce qui se passe dans ce voyage, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, s'il continue à rouler comme ça, on va rater l'autre avion parce qu'on a qu'une. On va être bloqué en Munich. Du coup on a plus de lumière, mais dehors sur l'aile il y a de la lumière. Du coup je crois que c'est elle qui a coupé toute l'électricité. Et là le mec nous a parlé, il a dit hey, check back. Du coup ça veut dire je crois on va décoller en langue bizarre. Les gars, le moment tant attendu. On va décoller là je pense. Une grande ligne droite avec des lumières. Oh ça fait mon bombard, ça bombarde. Je sais pas si vous entendez. Oh oh. Aïe, mets les gaz. Ça bombarde les gars, ça bombarde en direct le vent. Attendez, parce qu'il n'a pas encore décollé. Bombarde mon gars, bombarde. Ça bombarde. Ah merde, je pense que vous voyez. J'espère qu'il n'y a pas eu de téléphone. Oh les gars, on décolle. Incroyable. Ah ouais, c'est voilà. Les gars, je passe sur là, moi je me lève. On est arrivé à Amsterdam, à Munich. Et là, quand tu vas faire ces tours, mais c'est trop les gars, c'est trop. Quand tu vas faire ces tours, c'est enfin arrivé à l'aéroport. Le mec, il a fait un tour de plus. Et ensuite, on est parti se garer quelque part. Un bus nous a pris, nous a amené à l'aéroport. Et là, depuis tout à l'heure, on marche.
C'est la base du 33. Et on marche et là on va à l'autre porte, on a failli la louper de peu, donc bon, on est là. Vite. Remplir une fiche de contact et tout, c'est pas il demande travail pour le numéro de téléphone, il met quoi? Numéro de téléphone. L'équipe, on est arrivé au combat à Toulouse après 24 heures à passer à faire du voyage. À toutes. Let's get lost, lost in Amsterdam. Where it's you and me together, making trouble, making friends. Let's get lost, lost in Amsterdam. We'll be strolling round the candles and dance, lost in Amsterdam.